shine this up real nice, jabroni. And I know just where to stick it, Ron. What's your name? It doesn't matter what my name is. The Rock smells what you're cooking. Pancakes, Rock! Pancakes! Lay the smackdown in the kitchen, the loading dock, even the boiler room. Plus storylines and special guest referees. Everything inside the ring and almost anything out. WWF SmackDown. Rated T for teen, jabroni. Finally, The Rock has come back to PlayStation. Et salut à toutes et à tous, et c'est GreatOne14 et on se retrouve pour une nouvelle série, c'est-à-dire les SmackDown Series, c'est-à-dire la série des SmackDown, même si les derniers jeux de catch américains ne sont pas intitulés SmackDown, mais quand même j'avais envie de refaire le chemin depuis le tout premier SmackDown sur PS1 jusqu'à WWE 2K14 qui sortira en fin d'année. Donc je commence forcément par celui-là et j'espère que vous allez adorer revoir ou peut-être voir pour ceux qui n'ont pas connu, mais si vous voulez savoir, moi j'ai connu sachant que je jouais au jeu de catch avant même que ce premier opus sortait. Donc voilà, nous sommes sur PS1, il faut se remettre dans le contexte, ça va pas être forcément beau mais assez intéressant selon moi. Donc alors on a les... Comment dire, les records de championnat, Triple H champion, c'était à l'époque encore la WWF, du coup une des meilleures périodes d'ailleurs, l'Attitude Era dans son apogée, je dirais, oui, Chris Jericho venait d'arriver, etc. Je crois que le jeu est sorti en 99, je suis pas sûr, hein, mais bon, c'était dans ces eaux-là, donc du coup ça s'en ressemblait. Donc là c'est, oui, ça ressemble un peu au Power 25 qu'on peut voir sur le site de la WWE, c'est une sorte de classement en rapport aux actions. On voit tout, Stone Cold en premier, forcément. Je vais aller dans les options. Alors, normal, oui, je m'en fous, tac, tac, tac. Y a pas ce que je voulais, pardon. Pas ce que je voudrais, tant pis. Donc, on peut créer les pay-per-view, ça c'était un truc qui a disparu, enfin qui est resté, mais qui a disparu plus tard. Alors ça, c'est intéressant. Et on peut voir aussi les audiences, donc ça... si j'ai le temps, je montrerai. Alors ça, c'est le mode saison, on peut comparer ça au mode... Road to WrestleMania, mais voilà, on va dire que c'est le mode saison normal. Après, je pourrais peut-être vous le montrer. Créer une superstar, je peux vous le montrer rapidement. Hein. C'est ce que je fais, hein, c'est pas forcément un petit gameplay. En gros, c'est même pas un gameplay, c'est plus une visite du jeu pour montrer les améliorations, etc., etc. Alors, je vais faire ça vite fait. Profile. Ouais, enfin, on s'en fout. Voilà, comme ça. Non plus que je mette 3 ans, et en fait on débloquait des apparences. Ah oui, d'accord, on débloquait des apparences en faisant le mode saison. Par exemple, on se faisait attaquer par quelqu'un d'inconnu, et du coup il se faisait il comment dire, si on le battait, on débloquait les parties, parce que c'était des parties d'un personnage créé. Là on peut être en robot, en je ne sais qui. Oui, il y a plein de visages. Alors si je fais, je sais pas, au hasard, complètement au hasard, tiens, hop, parfait, ça. C'est parfait, ça ressemble à rien. On va faire une sorte d'android. Hop, voilà. On peut changer plein de choses. Donc du coup, comment dire, la taille. On va le mettre à un moyen. Le poids, ou le gabarit si vous voulez. La peau.
Oh, ça change même la couleur de l'armure. Alors ça, je savais pas. Vous voyez, je découvre un truc combien de temps après? Plus de 14 ans après. En rouge, en bleu. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Je vais prendre le tout premier. Avec en or, voilà, comme ça. Son arme. Alors je sais pas si c'est intéressant ça, mais bon, je vais prendre la chaise. Voilà, c'est fini, c'est génial, voilà, c'était fini. Personnalité, qu'est-ce qu'on s'en fout quelque part. Je sais même pas, je sais même pas si je vais l'essayer, mais... Powerful, voilà, et hop, c'est cadeau. Il n'y avait pas grand-chose à modifier, hein, forcément. Power Attack, je change rien, je voudrais aller vite. Voilà, c'est bon, c'est fait. Completion. Il s'appelle Stone Cold Steve Austin, mais à part ça, ça va. Je vais peut-être changer d'ailleurs. Non, c'est pas là-dedans. Tic, 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 tic. Appearance. What the fuck? Do you want to change? Non, c'est bon. Default, numéro 37. Du coup, je peux me casser, l'utiliser. Donc, du coup, je ne pourrai pas faire de match à plus de 2 superstars, car comme je fais ça sur émulateur, cet émulateur là EPSXE ne supporte pas, est très ralenti, alors que si vous prenez juste PSX il va bien marcher, mais je ne pouvais pas enregistrer le son car le son je l'enregistre à part le son du jeu. Donc c'est parti, on va faire un match, hein, on va commencer par un petit match. Alors vous voyez tous les types de matchs, Royal Rumble, King of the Ring, il y avait déjà Hardcore qui est pas mal, on peut aller n'importe où, Anywhere Fall, pareil, Cage Match, Survival, Special Referee, I Quit Match déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas. Pour vous montrer Anywhere, pour vous montrer qu'on peut aller. Enfin, il y en a beaucoup dans les autres aussi. J'en sais rien du tout en fait. En fait, je regarde. Bah, juste un cage match, tiens. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait là-dessus, donc on verra bien. Petit écran, on peut jouer à plusieurs, mais j'ai pas joué à deux, donc voilà. Alors, on peut choisir les personnages. Alors, vous voyez, un très beau roster, c'est le roster de l'Attitude Era. Je pense qu'on ne peut pas avoir mieux, même si les superstars de maintenant, il y a certaines qui sont intéressantes, mais faut se mettre dans le moment. On est en 99 et toutes les superstars étaient limite toutes les 5 étoiles, limite, hein, franchement, c'est. Sûrement les jeunes générations ne connaissent même pas la moitié, mais ah, il y a ma superstar. Bah, du coup, je vais me battre contre lui. Je vais prendre quelqu'un, bah, qui n'est pas dans tous les SmackDown, forcément. Ken Shamrock, tiens donc. Jeff Hardy. Ok, bah, je vais prendre un. Bah, allez, vas-y, va pour Stone Cold Steve Austin. On peut régler le nombre de finishers maximum, je vais mettre 5 et je vais mettre 0 quand même, je suis pas comme ça. Et là je peux choisir, on va prendre l'autre, hop, on va laisser comme ça, suplex sans finisher, génial. Normalement il a la même entrée que Stone Cold vu que j'ai mis. Alors on peut régler les trucs, donc normalement c'est chronométré mais moi je n'aime pas ça. Interruption il n'y en a pas, KO, tac 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 tac, c'est normal. On peut changer les arènes, vous voyez, SmackDown, Raw, Pay-Per-View, on va rester à SmackDown. Le ring, bah, SmackDown, tiens, et on est parti, let's go. Alors, vous allez voir les entrées, ça peut choquer un peu, mais si vous avez joué au dernier jeu, donc là c'est Stone Cold Steve Austin, et en fait il mettait juste l'écran et voyez, il mettait les personnages à avancer, mais franchement pour l'époque c'était énormément bien fait. Il y a eu plein de jeux de catch avant, mais je trouvais ça bien fait pour l'époque, on n'avait pas mieux, on avait que la PS1, donc du coup... C'était assez bien fait. Stone Cold est pas mal fait, hein. il est bien fait, même si on voit bien les polygones etc, mais bon c'est la PS1, c'est pas non plus voilà. Donc là, on va voir mon autre personnage, je sais même pas à quoi il ressemble. Ah oui c'est vrai, j'ai mis pareil, donc du coup, enfin j'ai rien changé, donc c'est mis Stone Cold au hasard. Et là c'est une sorte d'android, je sais pas quoi, Mister Freeze à moitié avec les cheveux blancs, Sub-Zero. J'aurais dû le mettre, ah bah non je pouvais pas. J'aurais dû le mettre en bleu, mais je crois pas qu'il avait gardé les cheveux bleus. Une sorte de Sub-Zero. Son nom est Default. Et on va essayer le combat, donc il est possible que je perde car les contrôles étaient un petit peu plus compliqués. Faut appuyer sur carré pour X pour ceux de la Xbox pour contrer les coups, etc. L'endurance n'était pas gérée forcément. Je vais vous montrer tout ça. Déjà, je sais plus jouer. Ah oui, c'est en cache, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Vous entendez sûrement la manette. Esquive! Voilà, voilà. Alors ça, oui, c'est une cage normale, d'accord. Je pensais que ça allait être Hell in a Cell.
Là, on a les cordes. Et voilà, oui, c'est bien fait. Les contres avec carré, en fait, fallait marteler carré pour contrer. Stunner, bah tiens, bah ça commence bien, mais vous inquiétez pas, il y a des finishers, mais ça c'est juste la prise quand l'autre est groggy de Stone Cold. Voilà, hop, sidewalk slam. Ok, ok, ça finissait souvent comme ça, et j'imagine pas jouer en ligne, ce serait encore pire. Alors je vais sûrement perdre, hein, parce que je sais même pas comment on fait pour sortir de la cage. On peut pas par la porte que l'on voit, mais écoutez, c'est le pas de chance, hein, écoutez, c'est le pas de chance. Coup de pied, bien joué, il a esquivé, bien joué. Vous voyez, il y a une jauge en bas, en haut, pardon. On peut augmenter avec des provoques comme ça. Hop, je l'augmente. Esquive. Petite souplesse, boum. Alors, je suis en normal, donc forcément, il va pas forcément contrer tout le temps, mais... Ah oui, il a des points, vous avez vu, quand il tape, les points grossissent, comme vu que j'ai mis le skin d'Android à moitié, ça grossit un peu comme un robot, possible. Une sorte de robot de dessin animé ou je sais pas quoi, esquivé. Vous voyez, les comptes sont quand même bien réussis. Hein. Boum. Oh, il y a des petits bugs, mais c'est pas grave. C'est normal, je suis en émulateur aussi. Ouais, il y a des petits ralentissements, c'est pas grave. Avec les points qui grossissent, ça me fait toujours marrer. Esquive. Aïe. Et voilà. Tac. Désolé hein, pour les petits bugs, mais j'y peux rien. Boum. Allez, on va essayer le Stone Cold Stunner. Stone Cold Stunner, bitch. C'est comme ça pour monter. D'accord, je me suis gouré. C'est quoi? C'est pour sauter. Ça, c'est pour redescendre. Donc, il n'y a pas de choses qui permettent de monter plus vite. Oh, esquive. Je crois que je t'avais pas vu. Allez, monte plus vite, Stone Cold. Monte plus vite. Allez, Austin! Il va me faire tomber en tapant sur la cage. Ou peut-être pas. Ah, si, c'est bon. Hop! Parfait, ça. Hop, hop! Lutez, presse et des droites dans la face. Donc, vous voyez, les graphismes sont pas si moches que ça. Bon, je suis d'accord, si on compare à WWE 13, voilà, il y a un écart, mais pas si grand que ça. Hein. Franchement, je trouve ça pas énorme, l'écart. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, j'y mette un autre finisher en fait. Il y avait deux prises différentes à chaque fois, comme d'habitude. Hop là. En faisant ça, ils peuvent aller à l'extérieur du ring. Mais bon, écoutez, c'est un petit truc. Après, je pense que je vais vous montrer un autre match, genre un False Guard Anywhere ou un I Quit match possible. Je sais pas. Je sais pas trop. Ouh. Avec les points qui grossissent, ça me fait marrer. Au moins, vous voyez, le jeu réagit vite. Hein, je veux dire, rapport aux créations de Superstar, vous mettez pas 15 ans. Forcément, c'est pas énormément complet aussi. Hein. Faut savoir ça aussi. Alors, hop, hop, hop. Stunner! Et pas KO. Aïe. Esquive. J'esquive. Aïe. Esquive. Voilà. Boum. Allez, je te mets un stunner et on n'en parle plus. Ah, forcément, faut que t'en parles. Coup de pied. Esquive. Coup de pied. Esquive. Oh, bien vu. Bien vu, on m'envoie dans le coin opposé, dis donc. C'est possible que je perde, hein, je répète. Aïe. Ouh. Ça me fait toujours marrer, les... Voilà. Se lève et le stunner, bitch. Je sais pas comment il a fait pour monter vite, mais... Moi, vous voyez, j'arrive pas à monter vite. Ah si, j'ai trouvé, c'est bon. Ça fait du haut. Voilà, Stone Cold Steve Austin, le gagnant de ce match. Bon, bah voilà. C'était pas compliqué. Donc vous voyez à quoi ça ressemble, c'était... Et en plus, il y avait quand même l'incrémentation de... Pas l'endurance, mais de la fatigue, enfin de... Pas de la fatigue, mais... on va dire les coups, plus on avance dans le match, plus l'autre est fatigué. Enfin, c'est surtout à la fin, plus il se prend de finisher. Et moins il va se relever rapidement, comme vous avez vu. Donc voilà, alors, qu'est-ce que je pourrais montrer? Qu'est-ce que je pourrais montrer? Je vais refaire un autre match, ensuite je pourrais montrer vite fait la saison, mais ça change rien. Je vais même faire la saison maintenant, ça change pas grand chose, hein. C'est juste des successions de matchs via le calendrier, mais c'est rien d'incroyable. Saison, voilà. New game. On peut choisir les superstars qui ont participé à la saison et celles qui ne participeront pas, mais j'en ai rien à foutre. Par contre, je peux choisir celles que je contrôlerai. Et ce coup-ci, je contrôlerai Triple H pour changer. Hop, hop, décision. Are you sure? Yep.
House Show. Donc en plus là c'est le seul jeu qui je crois en tout cas pour la première fois qui nous permet de jouer en House Show. C'est tellement rare. Ce sont les shows, je rappelle, qui se déroulent dans les petites villes, hein. Ce n'est pas les Monday Night Raw qui sont incrémentés dans l'histoire des scénarios. Ça c'est des shows propres à chaque ville. On sait qui c'est, on va commencer. Premier match, ça c'est pas le mien. On peut jouer les matchs qui sont pas les nôtres, mais voir Gorilla Gangrel. Gangrel qui gagne, Ken Shamrock, Steve Blackman, j'en sais rien. Je skip et là une petite cutscene qui va arriver. Weston Cold, accompagné je ne sais qui via les polygones. Stone Cold is ready for tonight's event. De ce que j'ai entendu, il semblerait que Stone Cold est prêt pour les événements de ce soir. Voilà ce que ça voulait dire. Une cutscene qui sert pas à grand chose, mais c'est pas grave. Stone Cold face à The Rock, tu m'étonnes qu'il était prêt. Et c'est The Rock qui gagne, il était pas si près que ça. Audience 9,2%, il y a l'audience en dessous. Christian Edge, je skip, je m'en fous. Big Boss Al Snow, je m'en fous. Chopperish Mankind avec Road Dogg comme arbitre. Alors ça peut jouer dans la balance car vous savez il y a la dégénération X. Road Dogg en faisait partie. Mais est-ce que ça va se passer après l'événement du fait que Chopperish avait trahi la dégénération X pour la première fois? On verra ça avec la vieille musique. Enfin la vieille musique de sa deuxième gimmick, celle de The Game. Et j'étais, ah oui d'accord, champion de la WWF World Wrestling Federation. Par contre, il a pas le titre, c'est bizarre. Normalement, ils ont le titre autour, mais peut-être parce que c'est un spécial référé. Parce que dans ce jeu-là aussi, hein, ils ont des titres autour de la taille. Et là, on va assister à la venue de Mankind. Qui est malheureusement Mick Foley à la retraite. C'est dommage. Même s'il avait pris du poids, hein, on le sait que. Le hardcore là. Est-ce qu'on va voir arriver Road Dogg? Parce que dans ce jeu-là, n'importe quel guest référé avait le maillot d'arbitre. Ce qui était assez marrant, on va pas le voir arriver, mais ah si. Oh, you didn't know. You must better call somebody. Comme il semblait crier. Road Dogg, vous voyez, il a le t-shirt d'arbitre et c'est pas seulement un costume secondaire, ça le fait sur chaque superstar ou chaque diva. Ça, c'était intéressant. Mais de nos jours, c'est un peu plus dur à programmer parce que chaque polygone pour chaque superstar et du coup, il faudrait faire un maillot pour chaque superstar, etc. Alors que là, je pense que ça a été juste adapté. Et vous voyez, le jeu un petit peu plus lent parce que Road Dogg est là, on est 3 et c'est déjà un petit peu plus lent. Je vous l'avais dit que je pouvais pas faire des matchs à plusieurs. Tant pis, on va jouer avec le jeu comme ça. Je fais pause, je regarde un truc. Tac, 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 tac. Non, tant pis. Au revoir, voilà. J'aurais utilisé une chaise. Triple H et Mankind nous ont offert de beaux matchs durant cette période. Pour ceux qui n'ont pas vu leurs matchs, je vous incite à les regarder. Triple H face à Mankind, mais aussi face à Mick Foley, face à Cactus Jack. Tous les Triple H face à chaque personnage de Cactus Jack, hormis Dude Love, parce que je crois pas qu'ils ont combattu ensemble, je suis pas sûr. Est intéressant. Et des droites dans la face. Et vous voyez là, je m'y plais à y jouer parce que ça c'est fun et c'est super simple d'accès, contrairement à ce qu'on reproche aux jeux de catch de maintenant. Pour ça qu'ils font des jeux de catch arcade comme All Stars, que je n'ai pas joué d'ailleurs, je n'ai jamais joué, je suis pas arcade, hein, je suis simulation. Je pense que beaucoup le savent, je suis beaucoup simulation. Hop là, j'ai eu tes jambes et le coup de pied. C'est vachement lent, bordel, saleté d'émulateur quand même. Si ce n'est pas vraiment de ma faute. Et voilà, le surpassement. Voilà. Alors, est-ce que si je prends un objet, je me fais disqualifier? Je vais essayer seulement si je le bats pas avec le pedigree. Allez, lâche-moi. Ou je vais aller à l'extérieur du ring. Non, même pas. Mon dieu, que c'est lent. C'est incroyable. Peut-être aussi parce que j'enregistre en même temps que l'émulation. Mais ça m'étonnerait parce que l'émulation sur PS1... ça prend pas beaucoup de mémoire, le processeur n'est pas méga utilisé finalement. C'est juste l'émulateur qui est pas si compatible que ça avec le jeu, qui a du mal à gérer. Oh, à droite. Hop, bon, je vais essayer de m'empresser de finir parce que là ça devient lent. Aïe, on m'envoie dans les cordes.
on me renvoie dans les cordes, l'IA était, c'était déjà de la merde. Non, c'était quand même... Franchement, je trouve que l'IA est mieux là-dedans que dans le dernier, que dans WW13. L'IA dans WW13 est extrêmement... Comment dire, prévisible, voilà. On peut prévoir chaque mouvement, et hormis les bugs, hein, forcément. Et même en légende, c'est facile à battre, alors que là, bon, déjà, les contraintes de la version PlayStation font que c'est un peu plus dur. Je pense que vous avez tous compris ça. Des droites dans la face de Mankind. Oui, je ne fais pas les versions en commentateur parce que... Bah parce que je préfère faire ça en tant que simulation et que là, c'est pas vraiment la simulation pure. Ça rend pas si bien que ça. Puis même, je préfère vous présenter plutôt que... Ok, il y a des disqualifications, du coup. Ça, j'ai deviné. S'il compte, c'est qualifications, en général. Esquive! Oh, bien vu. Ah, l'enfourchement, j'ai pas esquivé. Bon, vous voyez, je sais pas si vous avez vu, mais il a mis sa chaussette, il l'avait pas tout à l'heure. Et il peut la enlever, hein, c'est une des spécificités du jeu. Allez, le pedigree de Triple H. Pedigree dans la face de Mankind. Si ça marche pas... Ah merde, j'ai pas fait le compte. Fuck! Si il est pas KO, je prends un objet. 1. Et 2. Et 3. Bon bah voilà, c'est parfait, merci Rod Dog. On a gagné avec The Game Triple H. Petite musique. Ouais, c'était pas mal à cette époque-là. Du coup, voilà le mode saison à quoi il ressemble. Il y a des petites cutscenes où faites des fois des choix, mais rarement. Qui vont influencer très peu sur le scénario ou sur le reste finalement, donc allez, je me casse. Et après, en fait, il y a Raw, SmackDown et ensuite les pay-per-view, ça c'est pas à la même durée et vous pouvez devenir champion, enfin bref, mais ça dure pas longtemps, hein, ça dure un mois ou deux du coup dans le calendrier je parle, donc c'est un petit peu court mais c'est très bien pour le temps. Tiens, on va essayer Create a pay-per-view, je n'ai pas réessayé, hein, depuis plus de 13 ans du coup. You can see the top 10 created events. Best match, oui, mais j'ai encore rien créé donc va rien avoir. Ok, 6 d'audience, ah, d'accord. La meilleure note d'audience c'est 10, non, ça doit être ça, j'en sais rien, j'y connais rien l'audience. Comment je pourrais l'appeler, qu'est-ce que je m'en fous quelque part. On va l'appeler SmackDown, hein, qu'est-ce que... D'accord, on fait juste créer des matchs, en fait c'est un peu de la merde. C'est le problème là-dedans, c'est que dans les pay-per-view on peut pas créer de... pay-per-view à thème ni quoi que ce soit, enfin on peut pas créer de... on peut pas insérer des cutscenes, donc le pay-per-view serait pas terrible, ça rendrait un peu moins bien, mais pour l'époque c'était génial, hein, c'était génial. Alors un petit dernier match je dirais, ou un King of the Ring. Moi je dis un King of the Ring avec des stipulations au hasard. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais on s'en fout. Je vais prendre le dernier, je ne contrôlerai... Ah ouais, non, je peux pas choisir, c'est con ça. Alors pour finir, je contrôlerai The Rock. Et c'est parti. Ah oui, mais le problème, c'est que ça va être... C'est pas au hasard, les matchs. C'est pas au hasard, donc je crois qu'on peut faire ça à partir de SmackDown 2. Donc je ferai dans SmackDown 2, on va faire un Anywhere, on va vous montrer où est-ce, jusqu'où on peut aller. Enfin, à peu près. Ah. On va prendre The Rock. Hop, 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 je mets tout ça. Face, non pas Stone Cold, ce qu'on a déjà vu, non pas Mankind, non pas Chris Jericho, oui, il y avait déjà Mark Henry, ça fait un moment qu'il est là. Il y avait pas le Big Show, je crois, j'ai pas vu le Big Show, Bradshaw, ouais. Ah, il avait les cheveux coupés, d'accord, c'est quand il avait fini, ok. Face à Matt Hardy, qui était arrivé à la WWE là, un peu avant, quelques années avant, au moins 2 ou 3. Je sais que Jeff Hardy, on l'a vu pour la première fois à la WWF, plutôt, en 97. Son premier match était face à je ne sais qui. On a vu Matt Hardy aussi. Interruption, pas random. Il peut y avoir quelqu'un qui vient dans le match, hein, ça peut arriver. Out of the ring, ok. Bah, on commence dans l'arène, et on va voir comment que ça va finir. Allez, c'est parti. Forcément la phrase mythique du Rock. Désolé, si le son est pas terrible, mais j'ai pas pu énormément régler. Rock says... No, you damn wrong.
et ensuite Jeff Hardy avec l'ancienne musique qui est pas mal. Ils font peur comme ça. Là aussi à la WWF, les tag teams étaient énormes, il y avait tellement de tag teams charismatiques, les Hardy Boys, les Dudley Boys, Edge et Christian, les Brothers of Destruction, la DX, Mean Street Posse, Crash et Hardcore Holly, il y en avait tellement que vous pouvez que faire une overdose finalement. Allez, hop, esquive et je me casse. Je sais pas si je peux me barrer là. J'ai mis hardcore ou false count. J'ai mis hardcore, je suis vraiment désolé. Je crois que j'ai mis hardcore. Hein. Si j'ai mis false count anywhere, c'est que dans celui-là on pouvait pas aller n'importe où. J'en suis désolé, coup de chaise. Bon voilà, vous voyez, c'est... forcément c'est un petit peu moins réaliste que les épisodes récents, mais on avait tellement de fun à jouer à ces jeux-là que voilà quoi. Ah, excusez-moi, j'ai remis mon casque. Hop, escape. Ah, le dropkick, forcément. Oh, il vient te battre. Ok, j'ai complètement raté. Ok, j'ai encore raté. Oui, d'accord, les coups de chaise font pas énormément en remplissage de jauge. Et voilà, sur la chaise. Hop. Swing neck breaker. Il y a les tables des commentateurs aussi, j'ai failli oublier. Je gagne un peu de jauge quand même. Il n'y a pas de table de commentateur, elle est où? Il y a un micro, par contre ça c'est bizarre. C'est pas un avec Quick Match, j'en sais rien. Non, bah non, on voit rien ici de toute façon. Tiens, on va dans le ring. Je prends le micro et on est parti. Merde, je l'ai jeté. Je fais n'importe quoi, les touches sont pas pareilles, hein, croyez-moi. On ne touche pas l'analogue parce que sur PS1, il y avait des manettes qui n'avaient pas d'analogue au départ. Pas de joystick, pardon. J'ai l'habitude de dire analogue. Hop. Coup de micro dans la face. Oh, bien vu. Ah, il a un objet. Non, c'est bon. Jusqu'ici. Boum. Il est même pas tombé. Limite, le micro, il fait rien. Ah. Ok, dans le coin. Mais c'était assez complet, hein, franchement, pour l'époque. Mais bon, vous allez voir que les améliorations, rien que du 1 au 2, sont assez conséquentes, finalement. Ça s'améliore en bien. Et vu que les jeux sortaient tous les ans, faute de volonté d'argent, forcément, le contenu n'est pas énorme, mais ne change pas énormément. Mais il y a toujours du fun, finalement. Ah, Triple H qui vient aider. Qui vient aider The Rock, parce que vous voyez, si le nom de Triple H est en dessous de The Rock, c'est qu'il va aider The Rock. S'il était en dessous de Jeff Hardy, il allait être contre moi et Triple H qui m'aide en faisant un pedigree. C'est, elle est pas belle la vie. Merci, merci The Game, comme on dit. Enfin, je finis. Hein. Merci The Game. Oh, je voulais faire mon Rock Bottom, mais il a pas voulu. Il vient de se prendre un pedigree, il serait capable de me battre, cet enfoiré. Oh, il a même pas le temps de descendre. Oh, bien vu. Ouais, mais tu veux parler, je laisse moi-en quand même. Hop là. Excuse-moi, je t'ai touché. Aïe. Du coup, forcément, c'est un petit peu plus lent parce que The Game est venu. Peux-tu le laisser? Ah, Mankind vient aider Jeff Hardy. Et voilà, là, ça devient lent. Fuck. Bah, désolé, hein. J'en fais pas exprès. C'est l'élimination. Ça le fait que sur les deux jeux de PS1, sinon le reste des jeux de catch ne le fera plus. Et le DDT de Rock. Bon, Jeff Hardy, faut qu'il remonte dans le ring par contre. Il s'en reprend un pedigree, le pauvre. Il va pouvoir remonter après ça. De toute façon, Mankind s'occupe de Triple H. Allez, remonte. Voilà. Hop là. Et voilà. C'est pas beau ça? Allez, on va finir là-dessus. The Most Electrifying Move in all of entertainment. Et vous voyez, il enlève quand même sa protection sur PS1. Quand même, ils l'ont fait. La protection s'enlève. Hop, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. The People's Elbow. Boom, bitch.
et le compte. Oh fuck, putain, je sais, c'est avec la flèche du bas, j'ai l'habitude de WW13. Bordel. J'ai l'habitude de WW13. Allez, on compte. 1, il n'y a pas d'arbitre, mais c'est pas grave. 2, et. Non, même pas 3, même pas 3. Jeff Hardy, même pas 3. Coup d'accord, il s'est pris 2 pédigrés, un People's Elbow. Mais non, il n'est pas KO. Jamais de la vie. Oh non, The Game. Il m'énerve. Tu n'as pas le monopole de Jeff Hardy. Tiens, t'as gagné ça. Non, descends pas, descends pas. Ah, ok. On peut pas contrer une fois que le mouvement, enfin qu'on était en train de faire quelque chose d'autre. Ouais, Mankind, tu vas me faire chier, toi. Allez, viens, Jeff. Voilà. Russian Leg Sweep. En attendant, en plus. Oh. Hop, je remplis ma jauge. On va finir sur un rock bottom, quand même. On finira là-dessus. Et voilà, l'enfourchement, c'est un peu lent, hein. Forcément, il y a 4 personnages. Aïe. Hop là. Oh, j'aurais dû l'attraper. Hop. Ouais, si je me faisais compter là-dessus, j'ai pas pris beaucoup de coups. Coup de cœur d'un âge. Hop. On prend de la jauge. C'était assez facile de prendre de la jauge, vous voyez, ça monte tout seul. C'était quand même abusé. Hein. Le TTT. Hyper lent, je suis vraiment désolé. Je voulais à tout prix éviter, et finalement j'ai fait 2 matchs sur 3 assez lents. Voilà, on n'a qu'à dire qu'ils sont fatigués. Tac. Et le rock bottom, normalement, si je me foire pas. Non, je me foire. Des fois, c'est un peu chiant pour faire le coup de pied. Ok, le rock, c'est quand tu veux remettre un coup de pied. Aïe, je parlais de The Rock, je parlais pas de Jeff Hardy. J'allais dire John Cena, vous vous rendez compte? John Cena n'était même pas encore à WWE, il allait arriver 2000, 2001, 2002, 2003, enfin je crois qu'il est arrivé, je sais plus. Je sais qu'il était là en 2004, je crois que c'est en 2004 d'ailleurs. Maintenant ça fait 10 ans, ouais non ça devait être en 2002. Enfin maintenant ça fait 11 ans, hein, mais bon. Allez, un autre People's Elbow et on finit là-dessus. Hop. Et le... Ouh. Atomic Drop. Et voilà, le dernier. Et là, vous voyez, le bug. Ah non, même pas. Ouh, bien vu. Ah oui, mais vous voyez, ça part pas. Voilà, je savais qu'il y avait un bug. En fait, il a enlevé, il a mis le bras au bon endroit. Et il essaie de l'enlever, mais la deuxième protection ne s'enlève pas. C'est malheureux. C'est dommage d'avoir fait que le boulot qu'à moitié. Même THQ, à ce moment-là, faisait qu'à moitié le truc. Non, je vais pas critiquer toujours THQ, mais bon. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore fait de grosses boulettes. Hein. Bon, bah voilà, The Rock gagnant. Et bah, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez vu une grande partie du jeu, je pense. Il y avait beaucoup de stipulations aussi. Ah, c'est un peu plus rapide. Mais bon, dans l'ensemble, le jeu, vous voyez les graphismes, etc. Le gameplay était pas compliqué. Hein. C'est avec rond hein, et des flèches. Donc, c'était courir, c'était triangle. Et pour contrer, c'était carré. Du coup. Les autres touches servaient juste à sortir et prendre des objets. C'était pas énorme, mais quand même. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Oui, je sauvegarde par-dessus. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et laissez vos commentaires si vous avez déjà essayé un jeu de cache, peut-être celui-là, par lequel avez-vous commencé surtout. Et on se retrouve pour le deuxième épisode des SmackDown Series. Allez, salut!